Des étudiants en master de la fac de Lyon se sont servis de ChatGPT pour écrire leurs devoirs et le problème, c'est que leur prof s'en est rendu compte. Les élèves ont utilisé l'intelligence artificielle pour rendre un travail en cours de handicapologie. Ils devaient répondre au sujet « Définir les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe ». Leur prof a remarqué pas mal de similitudes sur le nombre de mots utilisés, la syntaxe, les anecdotes, etc. Il expliquait qu'il ne s'agissait pas de copier-coller, mais qu'on retrouvait quand même toujours le même raisonnement. Il a donc fait sa petite enquête pour comprendre d'où venait le problème et a cuisiné l'une de ses élèves suspectes qui avouait que 50% de la classe avait utilisé ChatGPT. Bon, on parle pas non plus du hold-up du siècle, ils étaient que 14 dans la classe, donc finalement ça ne fait que 7 vilains tricheurs. Et au final, ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils ont fini avec la note de 11,75 vu qu'il n'existe pas de sanction dans cette situation ou dans le règlement de l'université. Depuis la sortie de ChatGPT, plusieurs universités, mais surtout des lycées, auraient été confrontées à ce problème.